En quoi? องค์ที่ดูแลประกาศมาต่อกิจกรรมการในเด็กทีสัมมากากับพิมพ์สมัยคือกิจกรรมการสัมมากาสำหรับกิจกรรมสัตว์สี่ลูกกองโซกองโซวันพลังโดยจะกรมในองค์ยมเรศลาตบุงในนี่คือองค์ยมเรศรอบิทกาจุนตือสถาปนิยสถาปนิวีนมกนางดำนางรับตรงนี้ได้มีเปรียบเรียบปรึกนองกาตั้งตำรวจในดาวจิปุสะใสสมจืดลูกตำนางสถาปนิยMerci, Monsieur le Président, et bonjour. Bonjour à la Chambre.Bonjour à toutes les parties. Bonjour au public et bonjour à vous, Monsieur le Témoin. Avant de commencer, Monsieur le Président, je voudrais simplement vous signaler déjà que nous demandons à la Chambre de faire preuve d'un certain nombre de, on va dire, de souplesse vis-à-vis du temps qui nous est alloué pour interroger Monsieur le Témoin, étant donné qu'il s'agit ici d'une situation un peu.Inhabituel où nous ne trouvons en position de n'interroger le témoin que pendant une demi-journée alors que la défense appelle 3 à 2 fois plus de temps et comme cela vaut pour le bureau des coprocureurs et les parties civilesAlors, nous allons essayer de procéder de la façon la plus rapide possible, mais cela va dépendre aussi de la manière dont le témoin va nous répondre. Si nous répondons de manière claire et brève, nous essaierons de nous en tenir au temps que nous nous appelons. Mais si, comme hier, le témoin parle dans certaines digressions, étant de nombreux détails qui n'ont pas été demandés, ce sera alors plus difficile pour nous de nous en tenir à une demi-journée à partager avec les participants. Alors, ce que je vous demandais d'ores et déjà, c'est un temps pour les coprocureurs qui seraient proches de 2 heures, sachant que de leur côté, les avocats des parties civiles nous ont dit avoir besoin d'une heure. Donc, ce que je voudrais, de toute façon, c'est que le temps d'une heure pour les parties civiles ne soit pas affecté par ma demande.Comme je viens de le dire, je voudrais vous demander de faire un effort de concision, de concentration, pour répondre uniquement aux questions qui sont posées, pour éviter que je dois vous interrompre au milieu d'une réponse qui n'est évidemment pas très agréable.Alors, si j'ai besoin de précisions complémentaires par rapport à la première réponse que vous avez donnée, je vous les demanderai.Je vais baser mon question essentiellement sur votre livre Cambodge, année zéro. Qui rassemble évidemment votre souvenir de l'époque, au moment même où le régime du Cambodge démocratique était toujours en place. Alors, la référence est E243.1.Version qui a été éditée aux éditions Kailash, étant donné qu'au dossier, c'est la seule version qui bénéficie d'une traduction dans les 3 langues. Alors, je ne sais pas si vous avez cette édition précise devant vous. C'est le cas, sinon j'ai une copie à votre disposition. Alors, ma première question, vous avez dit hierConcernant la période entre mars 70 et avril 75, que vous saviez ou que vous aviez entendu que les Khmer Rouges dans les zones libérées étaient cruels, qu'ils avaient commis des méfaits dans les rizières, qu'ils évacuaient chaque fois les citadins et les villageois des zones conquises,tuant leur chef, brûlant les maisons, emmenant les gens dans les forêts. Quelles étaient vos sources d'informations concernant la situation dans ces zones libérées à l'époque?
Merci. Vous avez dit hier également qu'une fois à Phnom Penh, vous aviez travaillé avec une association de réfugiés. Est-ce que vous avez pu parler de la situation dans les zones libérées également avec les réfugiés qui venaient des provinces à Phnom Penh? Je suis un peu plus jeune pour les réfugiés qui venaient des provinces à Phnom Penh. Est-ce que ces réfugiés vous ont-ils dit s'ils fuyaient les combats en général ou bien si certains d'entre eux fuyaient le traitement qui leur était réservé par les Khmer Rouges? Dans votre livre, Monsieur le Témoin, c'est la référence E243.1 à la page 12 en français. À la page 2 en anglais et en khmer, à la page IRN 00 86 22 8 5, je répète 00 8 5, 2 2 8 5. J'avais pourtant rencontré une femme d'Arek Sak sur la rive du Mekong opposée à Phnom Penh.
l'approche de Khmer Rouge, j'ai été monté sur un arbre. Vous avez dit également dans votre livre que vous n'étiez pas entièrement convaincu parce que certaines personnes disaient mon sur les crimes ou ce qui se passait en Zolibéré. Est-ce que, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas directement cru au récit qui était fait du traitement qui était réservé par les Khmer Rouges à la population en zone conquise? Khiom mon cham, ta khiom sase, ta khiom me tue, ni khiom chngol, en pi sum noni, pour khiom mon ban yei chenge. Pontai, khiom, ne kan aramakatha, khiom sase, khiom bon sran, aik mai khom, ak kan kaps hok, ne pel chap chap. Tout bey yung dengta kmai kaham tfuba prachiyachun yang preipsai bumpot. Ka yung yulta ni tiye mityobai vai tfu san kriyem. Ay kalna ke ban chechum ne kung tae ke sruol timoy prachiyachun vinyo. Sruol qui m'a pas tiré une vigne. Pour ne pas nous être d'un tas l'honneur comme un sruol qui m'a pas tiré une d'air. Parce que c'est tout le cas qui m'a dit que j'ai bon hain, quand toi pour l'honneur, quand d'ai, quand kubal, nesrok, et que quatre kubal nesrok, et que nous avons d'un saut. Kan dai non tihien yo kbal nesrok et kat kbal nesrok et noam ke banhain ne mouke het ni hai yeng tfe vipier kan no yobai. Mun bait ban ho chiem totem chiem kmae totem muktiet kan lunol kmien sekedei sankem samrapate et ni hai mien sekedei sankem taimuei ku kmae kahama. Merci. Justement, vous aviez donc des espoirs que les Khmer Rouges apporteraient la paix, ça s'agirait une fois qu'ils seraient au pouvoir. Il apparaît dans votre livre et d'après ce que vous avez écrit que vous avez déchanté. Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous a fait comprendre qu'en réalité, vos espoirs n'étaient pas fondés et que les Khmer Rouges, dans la façon dont ils se conduisaient, ne changerait pas de pratique et ne s'assagirait pas? Ne pèl que quand toi Kampuchea pratiquait qui bataille qui lia pratiquait un Phnom Penh ne pèl nous qui ont deux communautés Kalpimun qui ont smanta qui lia pratiquait un Tampum. Nous, comme ça, qui est roubié, va être sans crime. Quel n'a que tu lis pas qui est un Phnom Penh, roubié qui est feu, qui est trois mancautes. Et nous, comme deux communautés.
Merci. Je voudrais revenir sur l'évacuation des villes et des villages libérés par les Khmers Rouges avant avril 1975. Vous avez dit hier et vous avez répété aujourd'hui qu'il y avait les exemples de Kampong Cham, de Kao, Kampong Tom. Et vous avez dit hier, juste avant la pause de midi, que les Khmers Rouges voulaient éliminer les villes et les classes sociales pour une société égalitaire. Alors je voudrais citer ce que vous avez dit précisément dans votre livre à ce propos. C'est toujours le livre E243.1 à la page 32 en français, page 21 en anglais et en khmer. Au page IRN 00 8 6 2 3 0 8 0 9, donc je répète 00 8 6 2 3 0 8 0 9. La déportation de Phnom Penh s'inscrivait dans la tradition révolutionnaire khmer depuis 1972. Monsieur le témoin, c'est donc la page 32 de votre livre. Depuis 1972, les maquisards ont emmené dans la forêt tous les habitants de villages, de villes qu'ils avaient occupées. Souvent, ils brûlaient les maisons pour ôter aux villageois toute envie de retour en arrière. Cette évacuation généralisée, massive, relevait d'une conception nouvelle de la société. L'idée même de la ville devait disparaître. Et vous dites plus loin, il fallait faire table rase, construire une société égalitaire de type rural. Fin de citation. Devant les juges d'instruction, ce document de 3.7.0, à la page 4 en français, 4 en anglais, 7 en khmer. Vous avez dit la décision d'évacuation faisait partie d'une politique systématique des Khmers Rouges qui avaient déjà évacué toutes les villes et villages qu'ils avaient précédemment occupés. C'était le cas notamment de Kampong Cham en 1973. Nous pensions que cela ne serait pas réalisable à Phnom Penh compte tenu du nombre d'habitants en 1975. C'est pourtant ce qui a été organisé. Fin de citation. Est-ce que vous aviez également, en plus de ces villes qui ont déjà été citées, entendu parler de l'évacuation de la ville d'Oudong? Petman, Oudong ne chingai pi Phnom Penh, Yung Deng Hai, Khmer Khom ne dam chnam chit se pram, ban chi lia pa chi chun pi Oudong, men, Yung Deng Hai. Mais yang tiet kum som ban tiet tam pravatesa, men men tiet leuk dambong, del ne chne ti krong, ne chne son kriem, chi lia pa chi chun. Kalna siem yo Phnom Penh, ne yo encore, del trom yen pa hel roap senne, ke kir pa chi chun ten an, Teusrok Siem, Nechnam, Mapuan, Beiroy, Hasepi. Ne pile pour Tyson, tiè Krom Anam, Nechnam, Mapuan, Pelroy, Paitpi. L'Oxasei, son bon moment. Yo Tikrom Oudong, rue de. François Ponceau, son rôle à Rome, hay snap, son nom, ban, hay son look fly top, then un crop can. Chạm bách từ nâng sầm nua đại sứ ban hơi chỉ viên lục ở thành bay về vô hà gặp bộ vật sa đo cầm rắn đại lục ban miền tây sa ban mấy ní mình mới chỉ cầm một thụ này cả trong ban đã bỏ ông chấm ra là bây giờ từ bình nứt bị chà ná trong cả sầm rắn chắc đấy ni ti ông chấm ra từ cả tại phò tàng chạm bách là bây giờ một bình nứt bị chà ná sầm rắn những nông đường cái đấy ni tại phần nọ sầm lục sầm rùa là rắm hay nâng sầm chòi top từ nâng phiệp chạm bách hay nâng cướp cuốn từ nâng sầm núa đại sú ban hơi.
Merci. Selon l'extrait que j'ai lu de votre livre, concernant la question de la ville, est-il correct de dire que l'existence même des villes était antinomique ou incompatible avec l'idéologie Khmer Rouge? Merci. Est-ce que cette conception de la ville, selon vos constats, est-ce que les Khmer Rouges vous ont dit, dont ce commissaire politique, est-ce que cette conception était une manifestation de la lutte des classes? Mayang, Tromada, Bampon Khmer, Tloak Nyei, Vietnam, Tiakmang, Satroi, Ruba Khmer. Pontai, Kamapibal nous, notre n'y a d'apprembeille, Mesa, Mapuan, Pambouan, Roy, Tietsepram, Prab Knyom, ta tien, tiekmang, satre, rubakmai, pour ni tchol, knong, ka, ta sou, vana, tien, kan lui, et knong, sarana, rook, aikodom, ki, ou son pran, l'ok, n'y a un pi pour comprador. Doi knon vitu kmaika ham kinye yon pi comprador ti tien dael yo palita palo ba nesrae ma lu ay chun tiet barte ti rubiep pon yo lan pi ka ta sou vana. Est-ce que selon les Khmer Rouges, les citadins de Phnom Penh et des autres villes n'étaient pas purs, mais étaient contaminés ou influencés par le matérialisme ou la corruption? Quand vanna ponte cela trois taux tie mien sauveng per aumens sad uha ai sa mailo nol petmen ti hien poko loi ai kan cela trois ke quel coit menten tu te vink mai ka ham ti menu sad sam. Merci. J'en viens
Vous avez dit à propos des Khmer Rouges qui rentraient dans la ville, vous avez dit que ces Khmer Rouges semblaient au bord de l'épuisement, perdus, totalement étrangers à la liesse populaire. Ils étaient les seuls à ne pas se réjouir. Est-ce que vous êtes étonné de ce décalage complet entre la joie des habitants d'une part et puis l'attitude austère et les soldats Khmer Rouges qui pourtant venaient de remporter la victoire? Mais c'est le même qui me frappe. Avec un an, nous, quand on a eu le ticron, 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 on Jul chalam en pirouigny, qui se met à Khmekaham Chult Nompeng, Pratiatun op osato, Khmekaham Chult Nompeng, Tampet Ot. Qui Jul chalam, Pratiatun Kampuchia Neuf Nompeng, Jul chalam, qui se met à Khmekaham Chult, Tampet, tu canto à plenol, Tchotchol, som Tchotchol. Et messelmen comme dit madame Thier comme dit ta kyonne chone mouk vi hier trom que ta cathédrale ti moi pour ma kyon menach mo Bernard Berger ne pel nou yon kyon kmai ka ham ti toi toi do ti akom lang kmeng pe kapet tien akom lang ki mun sait ai kyon messelmen kyon prata ti moi ponan yon Mukti am Sarit. Merci. Hier, vous avez décrit ce que les soldats Khmer Rouges ont annoncé à la population pour qu'elle évacue la ville. Je voudrais reprendre les termes que vous aviez employés dans votre livre, à la page 17 en français, page 7 en anglais, et en Khmer 00 8 6 2 2 9 1 00 8 6 2 2 9 1. Je cite, « Déjà depuis le matin, les petits hommes en noir s'étaient présentés dans les maisons du quartier. Il faut partir vite. Les Américains vont bombarder la ville. Partez à une vingtaine de kilomètres. N'emportez pas grand-chose. Pas la peine de fermer à clé, nous veillerons sur tout. Jusqu'à votre retour, vous reviendrez dans 2 ou 3 jours quand nous aurons nettoyé la ville. » Fin de citation. Hier, comme vous avez dit la même chose avec d'autres mots, tout d'abord, est-ce que, en même temps qu'ils annonçaient que les gens devaient quitter la ville, est-ce que les Khmer Rouges ont pris soin de rappeler aux habitants d'emporter assez de vivres, d'eau, de médicaments ou du matériel de couchage? Merci. Est-ce que les Khmer Rouges ont dit à la population si une assistance leur serait donnée en cours de route? Moyen de transport, des points d'eau, des points où ils pourraient se ravitailler, etc. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit?
Dans l'extrait que je viens de lire, monsieur le témoin, il y a deux motifs différents que vous avez mentionnés, qui étaient avancés par les Khmer Rouges pour évacuer la ville. Il y avait le bombardement imminent par les Américains. Et d'autre part, vous avez dit, un Khmer Rouge a dit, quand nous aurons nettoyé la ville, Est-ce que vous avez interrogé, recueilli des témoignages de réfugiés qui sont en Thaïlande, à Paris, ou des gens qui vous ont écrit du Vietnam, concernant justement cette recherche des anciens fonctionnaires militaires de l'ancien régime? Est-ce que ces réfugiés vous ont fait état d'exécution à propos de ces personnes? Merci. Je vais revenir sur ces événements tout à l'heure. Pour le moment, je vais simplement continuer avec l'évacuation proprement dite. Vous avez dit hier ne pas avoir vu vous-même de brutalité particulière, de violence physique au moment de l'évacuation. Vous avez parlé cependant de pression psychologique, etc. Et vous avez tout de même dit, premièrement, que
Les évacués qui avançaient sur la route, selon ce que vous avez vu, n'étaient pas bien traités, que cela dépassait l'imagination et que les Khmers rouges étaient brutaux vis-à-vis des évacués. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait cette brutalité ou ces mauvais traitements? Comment est-ce que cela se manifestait-il? Et d'où avez-vous vu cela? Est-ce que c'était quand vous étiez encore aux alentours de l'hôtel Le Phnom ou bien déjà à l'ambassade de France? Khyom tu chi mon cham chum nam ta khyom jey ta khmai ka hom tsue ba prachie chun na pe nu prachie chun dai cheng pi Phnom Penh klaet men ten pou ke a dang ta na ke a dang ta na ai ke pay khmai ka hom tsue ba pon tai khyom toal ke mat keng prachie chun tsue ba comment est-ce que tu vas partir? Non, comment est-ce que tu vas partir? 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 Est-ce que lorsque la population quittait la ville, elle était encadrée par des Khmers rouges? Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la fin de votre phrase et avoir une interprétation en français? Khmer 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 You madang mien yotiak mai ka ham del neutam ne arm song khang pachi chun pontai men men yem pachi chun Vous avez dit dans votre livre à la page 18 en français, page 7 en anglais, 008-6-22-91 je cite, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de brutalité dans ces premiers départs. Quelques coups de feu en l'air suffisaient à décider les habitants. Les hésitants, pardon. Traumatisés par les bombardements de la nuit, soulagés par ពីខ្លាចទៅនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពួកសេគងស៊ីលីឡាបៀនវៃយ៉ង់ប្រជាជននោះគឺថាព្រៀមខ្លួនចាក់ចេញ ប៉ុន្តែ គេ មិន បាញ់ ប្រជា ជន គេ បាញ់ នៅ លើ តាម ខ្ញុំ ឃើញ Hier, vous avez aussi mentionné que les blessés et les malades qui refuseraient de quitter les hôpitaux seraient tués. Que des grenades étaient parfois jetées pour pousser les récalcitrants à partir. Est-ce que, par exemple, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec du personnel médical étranger réfugié à l'ambassade de France ou cambodgien à l'époque? ពេលខ្មែរទេនៅសម័យនោះ
kyom ban lu kin yei kyom et kyom ptoan nang pnek mien lok umnal ki e kupet ne perket melia kwat te ban sase si opau medsin che le Khmer Rouge kwat prap kyom e kyom mien lok saran ki mwe kyom tve ka sapnay ki mwe kwat ban prap kyom e kyom papenang. Merci. Hier, vous avez dit qu'une personne handicapée qui avait dû quitter un hôpital, vous avez demandé de l'accueillir, mais que vous aviez dû refuser votre aide. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi il n'était pas possible de l'aider à ce moment-là? Est-ce que ce sont les Khmer Rouges qui vous ont empêché de venir en aide à cette personne? Donc, je n'ai qu'un tape senba bon neutime yung contact micro home some lap et bon un truc qui some lap d'un. Merci. Toujours concernant les malades et les blessés qui avaient dû quitter les hôpitaux, quand vous les avez vus passer. Je crois que c'était le long du boulevard Monivong. Quelles étaient, selon vous, les conséquences prévisibles de cette évacuation dans la chaleur du mois d'avril, sans assistance pour ces patients, pour les blessés les plus faibles, sur base de leur état physique? Est-ce que, comme vous, n'importe quel autre observateur raisonnable voyant partir ces blessés, handicapés, malades, d'autres personnes vulnérables, et donc quitter la ville, est-ce que n'importe quelle autre personne raisonnable aurait pu constater le risque élevé de mort de ces personnes? Je ne sais pas maintenant. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Councillor. I have to object to this question. We are asking questions to a witness, as we have established yesterday. This witness wouldn't possibly know of any reasonable consequences. He's not an expert. He might have thoughts which could be interesting, but which are legally not interesting to this judge. So please, I would like to ask the question to ask questions to this witness as a witness. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Councillor. Good morning, Mr. President. Si je peux répondre, hier, vous avez pris une décision qui consistait à dire que ce genre de situation serait décidé au cas par cas. Je pense que le témoin nous a dit qu'il a pu observer que c'était une évidence que tôt ou tard, ces personnes pourraient mourir. Je ne vous demande pas grand-chose, c'est simplement confirmer si c'était une opinion qui était partagé par d'autres personnes ou par n'importe quelle autre personne qui aurait vu cette scène, aurait pu tirer de ses conclusions. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.
មូលហេតុមូលដ្ឋានសំត្រោបស្ដេចជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពសាកសីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយតំណាងសាធារណៈនេះទេ Merci, Monsieur le témoin. Dans votre livre, vous avez cité le témoignage d'un dénommé Soon Pal, qui a 19 ans, qui était réfugié en Thaïlande le 4 mai 1976, et cette personne a dit, ça se trouve aux pages 36 à 37 de votre livre en français, pages 25 en anglais et en khmer 00-86-23-14-00-86-23-14-15 et voilà ce que vous citez. Ma famille et moi sommes sortis de Phnom Penh en prenant la direction de Breckner. Beaucoup de gens sont morts dans cette marche, les malades chassés des hôpitaux, les femmes qui accouchaient sur la route, les blessés de guerre, et plus loin, le long du chemin, nous avons vu de nombreux cadavres éparpillés un peu partout, même dans les pagodes, répandant une puanteur à peine supportable. Fin de citation. Alors, je sais que vous-même, vous n'avez pas vu de cadavres, mais est-ce que ce témoignage que vous avez recueilli reflète ce que d'autres réfugiés ont pu dire de l'évacuation de Phnom Penh concernant ce groupe? Merci. En tant qu'intellectuel, vous êtes-vous demandé le 17 avril 1975 pourquoi, d'un côté, les Khmers Rouges demandaient à la population d'évacuer la ville sous le prétexte en tout cas face à l'imminence des bombardements américains sur le pays, et que dans le même temps, ils forçaient les blessés, les malades des hôpitaux à quitter la ville. Et comme vous l'avez dit, vous avez constaté vous-même que tôt ou tard, la mort pourrait s'en suivre. Avez-vous compris ce paradoxe entre ce que les Khmers Rouges disaient comme justification pour l'évacuation de la ville et leurs agissements? Rue Bossom Atikron, au veille d'être feu à Kyom Yuel, en picol bon nom Kmaikahom, que Kamapibal d'Ai Prapnyom, ta Pasenba Pratietun, Kamputnatikron, ta Vielsrae, Damsrae, Chkaprei, Stungsrae, Chosrae, Kedan, Damlai, da Pet pakat rubavei weten a kmae troi dung ta kluen kaut pi kroapsreu niet je sekedei dat ve ai kum juel juel klakla Merci. Avant de revenir sur cette question, un dernier point concernant l'évacuation. Vous avez écrit dans votre livre, la page 21 français, 11 en anglais, en khmer 0086-22-96-0086-2-96-1-5.
à propos du 18 avril 1975, ទេគេមិនខ្មាក់យោធាមិនកុំរែមកុំរៀមប៉ុន្តែមានដូចជាគេគៀបសង្កត់តាមចិត្តគំនិតយើងជំទាស់មិនកើតដូចមិនសិនមែនខ្ញុំនិយាយថាយោធាគ្រាន់តែមើលយើងដូចជាបាញ់យើងតែតាមផ្នែក ដូច្នេះយើងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើប្លែកពីសេចក្តីដែលគេនិយាយយើងភ័យខ្លាចខ្ញុំខ្លាចថាចាប់ប្រធានកាលាវៀតកុងចាប់ខ្ញុំម្ដងនៅឆ្នាំ70នៅថ្ងៃបួនឧសភា70 Merci, Monsieur le Président. Vous avez semblé dire hier que vous-même, vous aviez cru en la possibilité de bombardement américain. Tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous avez dit également tout à l'heure que ce bombardement avait cessé en août 1973. À propos de cela, est-ce que vous avez demandé au Khmer Rouge, lorsque vous étiez à l'ambassade de France, ou bien ce que François Bizot a demandé au Khmer Rouge, pourquoi les étrangers étaient-ils regroupés en pleine ville de Phnom Penh dans cette ambassade, et non pas emmenés en dehors de la ville, si vraiment des bombardements américains étaient imminents? ในการทำลายกรอบใบนั้นหนึ่งจุดทำลายชาบๆข้างมงคลหายหายได้ก็ประมูลดมในการทุบร้างอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอเมริกันทำลายกรอบใบผมแต่ประชาชนไอ้เชื่อบ้านพวกที่จำพิชนามกันลังมาอเมริกันทำลายกรอบใบในประเทศ30-40 กิโลนัวไม่กี่เพย Merci. Hier, vous avez évoqué deux raisons qui avaient été avancées par la suite par Eric Zuri concernant l'évacuation de la ville de Phnom Penh. Et il s'agit de raisons que vous avez détaillées dans votre livre, notamment à la page 30 et 31 en français, page 19 et 20 en anglais, et en page 00-86-23-06-07.
Et vous aviez évoqué le fait que alors on remarque que dans cette interview avec James Springer, ce qui date de 4 septembre 1975 et Concernant la perspective de famine, autre argument avancé par Yang Sari, dans votre livre, vous avez distingué deux situations pour contredire cet argument. Et vous avez dit que, concernant la population paysanne, Phnom Penh abritait à peu près 1,5 million de paysans qui avaient fui les combats, qu'ils étaient affamés, qu'ils vivaient dans la terreur d'être mobilisés, et que tous avaient hâte de retrouver leur terre, sans qu'il fût besoin de les forcer à partir. Et deuxièmement, vous avez parlé de la population phnompénoise, et là vous avez dit que les stocks de riz accumulés dans la capitale durant les dernières semaines Jung bantuk klak klap ou jung pay ta
Merci. Dans son interview avec La guerre et donc juste après la libération de Phnom Penh, Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le Président. Dans la même interview à James Pringle, donc au document D199-26-136-137, et c'est la troisième question et réponse. Voilà ce qui est dit dans cette interview. Question de James Pringle. Phnom Penh était toujours vidé de ses habitants. Et je rappelle que l'interview date de septembre 1975. Réponse de Yang Sa-Yat. Non, environ 100 000 personnes sont revenues et d'autres petites villes. Les écoles, hôpitaux, usines ont peu à peu repris leurs activités. Les gens peuvent retourner à Phnom Penh s'ils le souhaitent, donc ils doivent rester là encore. Notre peuple tout entier travaille jour et nuit pour reconstruire le pays. Le Cambodge ressemble à un atelier géant. Lorsque Yang Sary dit le 4 septembre 1965, Vous avez dit dans votre livre que l'ambassade de France vous aviez vu un certain nombre de personnes qui ont été en train de se faire.
ខ្ញុំសូមបាយសប្រមួយផៃបៃតាប៨តាលោកបានជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដែរទេហើយគាត់ជាប្រភេទមនុស្សបែបណាថាថ្នុងវណ្ណៈណាអ្នកដែលត្រឡប់បានត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញទេបើសិនជាលោកបានជួប គេមិនចាំច្បាស់ថាខ្ញុំបានឃើញឡានណាំប្រជាជនចូលក្នុងពេញគេមិនចាំច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំតែមានស្រីស្រីប្រហែលមួយក្រុមដប់នាក់ជាប្រពន្ធទីហ៊ានមេទីហ៊ានឯជាកាតូលិកពួកនៅក្នុងចំណោមកាតូលិកមានយូទីហ៊ានជាច្រើន Merci. Dans votre livre, vous parlez d'une rencontre spécifique avec Madame Boum Samet, qui vous a dit que les Khmer Rouges avaient demandé. លោកមានដឹងទេថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសុំឲ្យនីតិហ៊ានហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ត្រឡប់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញវិញរោគដឹងរឿងនេះក្រោយមកហើយទេឬក៏យ៉ាងណាស្រីស្រីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានឃើញគឺជាភារកិច្ចទីហ៊ានយោទីហ៊ានប្រាប់ខ្ញុំថាអង្គការឲ្យស្វាមីគេត្រឡប់ទៅភ្នំពេញដើម្បីកសាងជាតិ Et qui est là, mon Phnom Penh Vinh. D'autres ne battent pas. Et en cas pour que je l'ai, très là, de Phnom Penh, d'un pays sans l'apke. Ni comme hien yé yang chuba, en cas je l'ai, bon chot ke, d'un pays sans l'apke. D'autres, Ovej, da je kjem prap, rung, da je kjem prap, no kjem svaj, ki ta som tjo čmo, no kada kjen, onka no pakon muknije, onka bančaot ki, dan bej som lap ki. Luk, nam nam sabri nja, som luk, nije je ban jyt, čeng ni man tajt, bo ne bo praj men panja. Absolument, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous venez de dire qu'il s'agissait de mensonges et que il était détué ces officiels qui en avaient promis de revenir organiser ce pays. Dans votre livre, vous avez cité quatre témoignages différents. Vous avez déjà parlé de celui qui parle de la situation à King's Way. Pour les besoins de la transcription, il s'agit du témoignage de dénommé Mam Saroun, capitaine dans l'armée de Lon Nol, qui était réfugié au camp de Kap Cheung en Thaïlande le 15 février 1976. ainsi que d'autres sujets sous le pal, comme Pierre Snam ou Pomeroy, Chet Sapamoui, Hypoton, Mim Chumou, Yu, Kamlan, Suon Paul, Hainan Seng Hood, un professeur,
Vous avez dit dans votre livre également, la page 40 en français, Vous avez dit ce qui suit. Plusieurs dizaines d'autres témoignages concordants permettent d'affirmer que les révolutionnaires avaient décidé de plus grand nombre en venir à la situation à Batambang, peut-être pourriez-vous nous expliquer en quelques mots que vous avez rencontrés ou que vous avez recueilli les témoignages à différents endroits des moments différents que comment que ham mien col bon nom bon plan ou comté tant pierre baquet comté en est d'el ban bomra américain rue tapibal le nord d'el tier crauchiet ou combatiet ne chna ma point pour bon roi hoc chet se pas moi mien pas des voix pratiqui bataille ne pelle nous que bon camp Krup vanna aichol knong vanna kaseka kra tna kandal kraum. En ochna mapuan pambuan roi tietse pampel, nye pati chum hien tibay, dam nakal tibay, tie pa de voat sans kum ni yum. Ne pel nou ke bankad sa ka sa akak komret kpou. Dochne ruang samlap me ti hien, nyo ti hien nung riechka chuan kpou, cholk nung kol bom nang rubake tfeu pa devoa tchiet. Ampi batambang, kyom to tuol ne pnum ti pade ke semblable bay roy pait sep ne kiam mien saksei bonne da el ruit kluen mien menach mo pim huen kiam chu kiam sapier tang bonne nu menach mo pim huen Equatra, Kmaikoham, a young Toto Tour, Sunday Ow, the Moving, Young Moving. Duchne, Yoti Hien Tupter, Lia Papon, Yo Isai Rio, Ma Bomper, Ki Lang Lan, Kin Kin. Vitié la net yang ne batambang, ou hank et feu domna tamlan ou ho par el d'apram kilo, qui batne auprès. Ou hank te dal pnum tipade, pil nou mien kmaik ham cham, qui somme a
chotang oknia e ki bany rea pim huen te rubu ai rot te voat puti knong ne batambang bahel pa moi kai kraima kum chuo chun pia kluan menet yet chmo yeng sovanari ne nu ke me do chmo wa et yet do chmo tan a kwat ke me do chmo ai mien bang pon ban su dom nang pi kwat bon yeng sovanari e katam pnum ti pade ai kun sa sap kun kmaut kun sota chung ai pachel machnam kraitiet mien menapsentiet kem plechmo ban da templeni ban könch angnelau du chne kem jet sak sei bunne de ruit kluen ai pine tve dom na tam kalaini tam pelvelie psentrek piknier Jeg prøver at kigge min barn. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement et aussi concisement que vous l'avez fait pour les officiers, ce qui est arrivé aux sous-officiers de Batambang à Smart Nikum, excusez-moi. Ça c'est comme un travail top. Comme tu as dit, mais tu viens de dire qu'à peine il a que de prendre. Merci, Monsieur le Président. Je me sens un petit peu dans l'obligation de rappeler à mon confrère que l'accusation qu'on donne ses explications, M. le témoin ne parle pas de ce qu'il a vu personnellement, mais répète des choses qu'on lui a dites donc ce serait peut-être utile pour la clarté des transcrits. Chúng ta bây giờ ở trong loạt nông tiết chợ đang từ bản chợ ở trong ba nước nông sản nuôi và sản phẩm nhà nước vô tha sản nuôi đến khơi đợt đại là lục bông số cùng bông tai hạ đôi gì tức hạ đôi gì lục sạ xây bông số nếp ban khơi nhờ vậy sau ba giáng nước luôn anh tại một đoạn tại tam bất phát ban lư bị kê prạp thế còn tập năng thế chẳng xong ai không sầm núa về nhà mình chạy chậm lại nhà chú ba còn xong chơi lục mình vì anh đã chết cả việc đây lục nôn chế Thank you, Mr. President. And might I add to the submissions of In certain circumstances, we are in fact speaking about evidence which is legally called double hearsay. So it's not only the person saying things to the witness, but it's also things that đại khương đại tòa bên này đối với này chúng hai tha về chỉ pho tang cho khai cam là cho chăm làm để dây chuẩn cái này thôi giờ viên mình mang chỉ pho tang bắt đặt than đại dương được tu vô được đây dương đăng làm pi ca viên làm lại được bảo dùng dùng rẻ thu vừa cam nhất từ lâu làm lại nên pho tang đối với này chúng lược lang tha với đại ban xuồng bảy mấy chạm pho này đang double hia xe cái kia cho chăm làm chuẩn cái này tout d'abord l'avocat de la khi ông sôm chia lại top tới mấy thì qui s'agissait, il fallait répéter effectivement, je suis d'accord là-dessus. Par contre, lorsqu'il dit que ce n'est pas le cas que le témoin serait certain de ce qu'il avance, je crois que là, il se trompe. Le témoin vient d'expliquer
Merci. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ce qui s'est passé à Pailin selon le témoignage concordant de témoins de sa figure dans votre livre. Mais je voudrais revenir sur un témoignage que vous avez fait état concernant l'Ekmer qui avait été livré au Khmer Rouge. Du pays. Tout en constate
បាទត្រង់នេះយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នេះឬក៏ជាមួយចំនួនទៅតាមបាងបៃលិនគេយល់ថាជាបីក្រុមថាយោធានិរដ្ឋការហើយនិងប្រជាជនសាមញ្ញតើនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលសាស័យដែលលោកអស់លោកបានប្រមូលផ្ដុំនោះតើមានរបៀបធ្វើដូចគ្នាយ៉ាងដូចនេះដែរឬក៏អត់គឺថាមានការបែងចែកជាបីប្រភេទគឺថាយោធាមន្ត្រីរដ្ឋការជាន់ខ្ពស់ហើយនិងប្រជាជនសាមញ្ញ Merci. Dans votre livre, vous avez dit que les slogans passés à la radio, ainsi que dans les meetings, juste des slogans Khmer Rouge justifiaient l'épuration des forces, des anciennes forces et officielles de la République Khmer. Est-ce que vous vous souvenez de certains de ces slogans? Il était habituel de l'entendre à la radio. Il était habituel de l'entendre à la radio. ទុកកំមិនចំណេញដោះចេញកំមិនខាតសំឡាប់ច្រឡំកុំលែងច្រឡំ que de mettre un innocent. Tête yuol en pis va pas trois khmer. Va pas trois khmer que tampouts la sna menou toukang anichang anatang. Kmien pratien. Yung t'en oknir kmien pratien. Ne champo mouknyam, mien pon man roup. Mien bon pon khmer, pon man roup. Yung kwante ti roup. Et ni hai sam lap ke. Mien atanei pseng, pi yung tia chun barte. Akun nah, lo. Sa say, akun damna tak pinya, eleni dapil samra hai, anbeh pekah samra mpain niti, capi pin ni sotel ho damong dam mui, kwa dam niti, so menjeng jol wing. Namai bento ke jemna ka, samna ka, menteri rata batala ka, tanom buruk dal kalai samra. នៅបន្ទប់ក្រុមចាំនិងអ្នកសាក់សៃនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 11:00 ដល់នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ